Ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Shot speed up. Ah bah ça commence déjà. Super. Ça commence bien dur. Ça commence très très bien. Pourquoi le curse tie direct là? Hein? Expliquez-moi pourquoi le curse tie. Sans pas la victoire. Hein. Cette run elle commence pas bien. Elle finira pas bien. Garder sur soi la carte de TP en effet. Là. Attends qu'on n'est pas mort, on va pas reset. Hein. Mais effectivement, ça sent pas la victoire. Hein. Ouais, vous allez voir, utilisation incroyable de cet objet activable. Salle de boss c'est pas cool hein. Hey, hey. Ah le doigt, juste un doigt. Mon dieu c'est chiant. Non mais t'as décidé de me casser les couilles le boss là. Non mais c'est bon hein, un moment là. Qu'il est chiant. Oh là là, c'est pas bien. Oh, c'est tellement pas bien. Oh, je vais pas y arriver à cette heure-là. Toujours vivant, mais. Mais je sais pas comment. Hein. Toujours vivant. Je sais pas comment. Et vraiment pas. Vraiment pas comment. C'est de l'audace avant tout, hein, le perso. Hein. Mais j'ai pas envie de jouer Choco. C'est ouf. Shot speed down. Le problème du fléau d'ignorance, c'est que... C'est la merde un peu. Le papali. Collecte la mûre. Les sous. Le D2. Bien.
horrible, mais c'est pas bien quand même. Ça reste le D2, hein. C'est pas fou. C'est pas fou de base comme ça le 2D. Alors, et quoi là-dedans? Ah bah y'a un objet... Y'a un objet à 15. Je vous dirais pas un objet intéressant, je vous dirais juste un objet à 15. C'est-à-dire un objet de plus, quoi. Ajoutons du bordel sur le bordel et on est bien. Des objets d'un peu toutes les poules d'objets. Hein. Beaucoup d'objets passifs. Tu crois à mort. Qu'une impression. Non, on va pas aller voir le Devil Deal. Alors, combien on a de cœur? Ah, c'est pas si mal. Alors, Pelé qui m'a mis la secrète quand je sors. Oh. Pardon. J'avais de travers. Des trucs sympatoches, des trucs je suis pas sûr, mais des trucs sympatoches.
Par exemple, ça j'étais pas sûr. Il y a la mouche, donc ça va. Alors, il y a quoi là-dedans? Ah! C'est bien de le garder un peu, lui. Hein. J'y crois moyen, mais ça serait bien de le garder un peu, lui. Pour l'instant, il est en train de nous mettre pas mal. On récupère de la vie. On a des bons dégâts en vrai. Tirer tout est bien. La mouche. Pour quand on a le bonnet d'âne nul. Ça aide. Ah ouais. Bon, tant pis. Allez. Voyons si on a une Angel Room. Ce serait pas mal. Là, on a un cavalier, c'était sûr. Utilisation du bouquin, donc cavalier. Pas très grave. Hein. Donc, pas d'Angel Room, c'est moins bien. À 40 et quelques pourcents, c'est dommage. L'autre cécité. Oh. Aussi grave. Sac en papier. En vrai, ça passe. Pour le moment, ça passe. Mais le problème, c'est quand on va se faire toucher, ce qui va certainement arriver. Qu'est-ce qu'on va avoir à ce moment-là, quoi. Pour l'instant, effectivement, ça se passe bien, mais c'est aussi pour ça que je veux voir une Angel Room. Hein. Si jamais on a de la chance dans Angel Room, on a, je sais pas, Holy Mantle. Et là, ça va. Là, ça va. Je garantis rien. Ouais, ça permet de garder un build plus rapide que longtemps. Ah, c'est pas le follow. I found pills. Hein, c'est un joueur de LOL? Je savais même pas. Marc, qui n'est pas un joueur de LOL? Bah, moi, en fait. Mais bon. Ah.
The Hanged Man. Carte limite limite. J'aurais pu prendre plutôt les deux coffres. C'est pas très grave. J'ai vu le potentiel amusement de la carte limite limite et je me suis dit allez. Banco et pas bingo pour le coup. Carton de déménagement. C'est pas terrible ces objets. Relation à distance. J'avais raison. Adieu. Au belge. Le saint éclat. Le saint éclat. L'exagération surtout. Hein. Ouais, on avance. On a pas pris de dégâts sur cet étage. C'est fou. Comme on croirait presque que le build est bon. Hein. Salut Dark Vador, Dark Vador LOL. C'est de toi que je disais, ah bon, lui aussi c'est un joueur de LOL. Pas pour moi, je vraiment... LOL, j'ai dû essayer d'y jouer. Hein. J'ai pas réussi à apprécier. Bizarrement. Pas bizarrement. Ça, hein. Ah, bah voilà. C'est à ce moment-là que... C'est à ce moment-là que c'est moins bien. Oh! Ah bah oui, c'est vrai qu'on a pris un objet angélique. Donc vu qu'on a un objet de la poule angélique, ça peut être tout et n'importe quoi. De la poule angélique. Genre le rayon de l'enfer. Ah, on n'a pas tant de dégâts, c'est le problème. Le rayon, c'est bien, mais on n'a pas trop de dégâts. J'ai un con qui nous vole nos pièces. Oh, est-ce que j'aime pas ça? Continue tout ce que t'attends à jouer à LOL, c'est de la dépression. Tout ce qui t'attend de jouer à jouer à LOL, c'est de la dépression. Comme Isaac alors. Finalement. Quand même. Isaac, tu te fais pas humilier. Par le jeu, si. Par les autres joueurs, non. Mais par le jeu, oui. Le retour du pot belge. C'est pas comme si on venait de le voir sur le boss d'avant. Hein.
Oh la pilule infinie. Tellement une mauvaise idée que je vais pas le faire. Hein, parce que... On a déjà vu que c'était catastrophique quand ça voulait pas. Au moins d'avoir le PhD bien sûr, et dans ces cas-là, on en reparle, hein, mais... Ah, je retourne dans les spectateurs de l'ombre. N'hésite pas. Ah, les spectateurs de l'ombre, hein, c'est la majorité à ce moment-là. C'est la majorité des gens à cette heure-là, surtout. Alors, des fois, c'est l'ombre chez eux. Hein. Ils sont en train de dormir. Il prend les pièces et du coup ça me laisse plus le choix. Ballot. Bon. Alors, évidemment le cavalier. Hein. Ouais, ça fait mal ce rayon, c'est ouf. Tour de la Ball of Bandage. La fameuse. Bon. C'est le moment où faut pas se rater. Au niveau de la The Fool. Ça me gonfle, c'est sûr. C'est pour ça que je le prends pas, le truc des options. Il me saoule, en fait. Il me saoule tellement. Je pense jamais à prendre mon temps avant de prendre un consommable à la con. Là. Faut mettre là. Ça va être pas mal, hein. Toujours mieux. Et sous. Toujours pas utiliser le bouquin. Ah là, il y a plein d'ennemis. En vrai, ça sera plus intéressant. Vraiment. Hop. La dame de cœur. Oh, la violence des squelettes. Oh, ils sont pas là pour déconner. Hein. Oh, ils sont vénères là. Oh.
est la The Fool dans ce merdier? Et pas là, hein. Je l'ai pas vu, hein. The Fool. Le Mar. Le Mar. Fait toucher, donc de toute façon il a pas pu disparaître. Oh putain. Parfait, parfait. On a évité l'accident bête. Ah, toujours arrivé. Mais... On a évité la catastrophe. Moi, je garde la papesse. Moi. Ça, c'est jamais. Sur un malentendu, ça deviendra une rune incroyable. Quand je me ferai toucher, ce qui va arriver à un moment. Hein. Même si là, avec les squelettes, j'ai une belle protection. Hein. Pas déconnant. Ouais, fuck. Ça fait tuerie. Et haut de les rangs. Wow. Ah yeah. Quoique. Ah, c'est très chiant d'avoir le curse taille. On soit très clair, c'est très chiant d'avoir le curse taille. Mais la godhead, moins. Con en fait. D'accord. Bon, bon au moins c'est clair. Hein. Je m'amusais moi à la base. Tant pis hein. Mais je vole pas. Hein.
Aïe, aïe, ça sert à rien. Aucun. Range down. Ouais. C'est chiant. C'est pas très grave. Évidemment, je suis perdu. Hein. Et ça, c'est ma passion. Passion, passion perdue. Ah oui, ça me met des dégâts. Ben c'est bien, ça change. J'ai 3 et quelques de dégâts, c'est cata. Quoi ? L'âme de Lilith. Comment ça, l'âme de Lilith ? Oh putain. Soul of Lilith. Zac de Nora qui perd des villes et projectile des ennemis. Ça marchera jamais. Enfin, ça tiendra jamais. Ça marche étonnamment bien pour un truc qui a pas de dégâts. Je sais pas ce qui se fait, comment ça se fait, mais ça se fait. L'hostie. Et 3,5 de dégâts est assez surprenant. Ouais, c'est avec plein d'effets de l'arme différents, donc ça doit jouer pas mal, mais quand même. Vraiment surprenant. La lettre de papa. Spent it. It's gone. Just get over it. Et là, comment est-ce qu'on va arriver à la maison? Alors ça, avec ce build là ou avec autre chose? Prenez vos paris. À mon avis, ça sera avec autre chose, mais... Je vais me tromper. Ah, prenez vos paris. Si vous voulez, hein. Chose à 100%. Ah, Quid. Je suis choqué, déçu par ta réponse. He's self-destructive and disturbed just like his father. Look at who he has to look up to.
think you're drunk again, aren't you? Shut up, Maggie! Shut up! You just keep pushing me like this. I'm leaving! Good! Leave! We'll be fine without you! Abandon us like you've abandoned yourself! Pour l'instant, ça se passe bien. Ah! Bon. C'est vrai que finalement. C'est pourquoi j'ai l'impression d'avoir le même build quasiment. Qu'est-ce que ce bordel? Pourquoi j'ai l'impression de pas avoir grand chose surtout? T'en es fier. Super. Hein. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Can't you hear how you sound? Pray with me. Pray for your salvation. Come, pray with us, Isaac. Il fait pas le ah fard pills. Oui bien sûr. Et à 2,94 de dégâts, pas tant que ça en fait. Le problème c'est les dégâts que j'ai, c'est cata. Hein. Évidemment, les dégâts augmentent bien quand il y a plein d'ennemis, mais... Et quand il y en a qu'un, pas top. Des tartes, les ennemis. Oh. Ami qui tank. C'est beau. Oh, merde. Oh, j'ai le taureau, je crois. Pas de vitesse, c'est pas ouf. Pas des builds incroyables pour le moment. Hein. Ils reviennent. Please, please don't leave us. Bordel.
tour du prisme. Je sais pas, je tire au pif, et j'espère que ça touche quelqu'un. C'est Belzébuth. Toujours des dégâts incroyables. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Oula. Oh, oh. Allez, hein, on a la césarienne, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a quelques cœurs. Par contre, j'ai très très peur de ça. Faudrait pas qu'il y ait deux dogmas, hein. Je pense pas, mais je pense que c'est pas pour les boss. Je sais pas comment ça va se passer du tout. Cassé. Cassé vite, hein. C'est pas mal, hein. Ouh. Ouais, hein. Oh, putain, la vache. C'est fort ce putain d'objet. Qu'est-ce que c'est putain de fort cet objet? Ah, c'est insane. Là, là c'est assez insane. Hein. Exactement le but que j'avais voulu, hein. Pour le plaisir, hein. Évidemment, regardez, pour le plaisir. Hop là! C'est important. Oh, mais il avance à...
J'aimerais bien voir le build qu'on avait réellement là, parce que c'était vénère.